Aujourd'hui, c'est la clôture graines de pâtissier. Et en fait, moi, j'adore ce moment parce que c'est toujours impressionnant de voir les jeunes entre le moment où on les a recrutés, il y a à peu près 4 mois. Ils n'ont pas trop confiance en eux, ils ne savent pas trop s'ils ont envie de faire ce métier. Et le moment de la cérémonie de clôture où ils ont pâtissé, ils ont trouvé une voie et ils vont vraiment s'engager en CAP. Nous, notre rôle d'abord a consisté à recruter les jeunes. Donc les jeunes viennent à l'école de la Deuxième Chance de Paris à une information collective. On leur a parlé du dispositif et puis ensuite les jeunes ont un entretien. Lors de cet entretien, on a repéré des jeunes qui avaient une sensibilité, un désir d'aller travailler dans la pâtisserie. Et ça permet effectivement de tester les métiers et de préparer au mieux ceux qui veulent continuer pour faire une formation. Ce que j'ai aimé dans ce dispositif, c'est vraiment comment on a été pris en charge par les formateurs, par votre équipe, la découverte du métier réellement. Parce que ce qu'on voit à la télé et ce qu'on vit, c'est totalement différent. J'ai découvert de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Je sais comment le métier fonctionne. Je peux faire des recettes facilement grâce à Graines de Pâtissier. C'est un super projet, c'est une bonne initiative. Ça permet aux jeunes de découvrir le métier avant de partir en apprentissage. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et en plus, nous ici au CFA, on en a recruté 5 quand même pour l'école. Quoi. En septembre, je suis au CFA Médéric. Ah, du coup, je le fais ici chez Médéric, CAP. Je vais commencer mon CAP à partir de septembre chez CFA Médéric. Ça fait complètement partie de notre ADN. ADN d'accueillir des jeunes, de donner la chance à toutes sortes de profils. Donc ce dispositif, tout simplement, il répond à nos principes, à nos valeurs, aux valeurs de Médéric. On a, via ce programme, une réserve de pépites qui sont des jeunes qui sont motivés, qui ont de l'énergie, qui ont envie. Alors j'ai envie de dire, donnez-leur leur chance, prenez-les en stage une semaine, testez le fait de travailler avec eux, puis si ça se passe bien, vous aurez peut-être trouvé votre futur apprenti et les futurs talents de votre équipe. Ça a été une belle opportunité pour moi. J'encourage vraiment les jeunes à participer à ce programme. C'est un pur kiff et ça roule direct après. Faut pas rester sur des doutes. Voilà.